Il va vers Alger. Ça, c'est dans tes rêves. Donc, au revoir. Les années de nostalgie trop noire. Il faut avoir une nostalgie, une bonne nostalgie. Qu'est-ce que c'est la nostalgie pour toi? La nostalgie, c'est le mot qui traduit le manque... ce qu'on peut éprouver, les personnes qui nous manquent, le pays qui nous manque, c'est un mot qu'on a trouvé là et puis il est facile à utiliser. C'est en grec, ça veut dire retour. Retour. Mais oui, on fait des mini-retours par la pensée. Mais la pensée, elle peut aller là où elle veut, la pensée. Alors, tu as une idée de ce que j'ai envie de faire, Nerwenn? Moi, je pense que tu veux mettre fin à cette période d'exil. En tout cas, toi, tu veux mettre terme tu survivais, quoi. Avec maman, c'était survie, c'était tenir, c'était vivoter, c'était... Tu te sentais pas du tout impliqué dans la vie ici en France. Tu étais physiquement ici, dans la tête, beaucoup là-bas, et donc, faut arriver à se dire, ça y est, on est là et il faut bien vivre le moment. Le jour où vous pourrez rentrer en Algérie, vous pourrez rentrer en Algérie. Mais pendant le temps où vous êtes obligé d'être là, essayez de voir les bonnes choses. À Tadjenna, à l'ouest d'Alger, selon la presse, 50 à 80 personnes auraient été assassinées la même nuit. La plupart seraient des femmes et des enfants. C'est l'acte barbare le plus meurtrier. J'avais quitté Alger le 30 juin 1993. Famille et amis m'y avaient forcé. La chasse aux artistes et aux intellectuels engagés avait commencé. Les islamistes en assassinent un chaque mardi et ils le revendiquent. Mais dans le monde, peu les condamnent. L'islamisme se vend bien. Le 11 septembre 2001 était encore très loin et les tours jumelles étaient toujours debout. Les années passent. Mais pas cet effroi de l'exil qui, avant de partir, me paraissait encore plus redoutable que la mort. Derrière cet effroi, qu'y avait-il? En quittant l'Algérie, précisément pour la France, je ne pouvais pas ignorer qu'une histoire restée en suspens depuis la fin de la colonisation m'attendait, me guettait. Histoire taboue en Algérie, j'avais cru pouvoir en être à l'abri. Histoire muette en France, j'avais pu jusque-là y échapper. Il me fallait y replonger. Une nuit de l'année 1998, je prends une caméra. Quelques mois plus tôt, j'avais eu 50 ans. Voici mes premières images filmées de cette banlieue parisienne où j'habite depuis mon arrivée en France. Chercher mes journaux dès qu'ils arrivent d'Alger est mon premier geste. Bonjour. Quand j'arrive sur la place de la mairie, je filme un cortège sans savoir que des anciens combattants
sont en train de commémorer la fin de la guerre d'Algérie. Une guerre où sont morts des milliers de soldats français et des centaines de milliers d'Algériens. Une guerre qui, lorsque je filme, n'est toujours pas officiellement reconnue comme une guerre. J'ignore aussi que cette même cérémonie se déroule chaque année le 19 mars. Eux, sans doute, le savent. Hamza Serge, mort pour la France le 11 décembre 1960. Vedbi, mort pour la France le 25 novembre 1955. Jobard Claude, mort pour la France le 12 janvier 1959. Lambolé René Paul, mort pour la France le 14 avril 1961. Lâche Michel, mort pour la France le 21 février 1958. Loisif Albert, mort pour la France le 26 avril 1961. Commencer à filmer un 19 mars, c'était déjà un signe.